nos salutations à tous les interlopes. Comme nous avions l'habitude de le faire, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Vous avez constaté que nous avions marqué une longue trêve, comme j'ai dit tantôt, vacances oblige. Donc nous allons commencer par souhaiter une très bonne année scolaire à tous les élèves, surtout ceux du cycle secondaire, la seconde, la première et la terminale. J'attire aussi l'attention des élèves de terminale. La terminale est une classe quand même qui est très jalouse. Autrement dit, l'arme d'un élève de terminale, c'est la régularité et l'assiduité. Donc donnons-nous la main dans la main, comme d'habitude, pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire au soir des résultats, décrocher le maximum de réussite possible. Alors, comme vous l'avez constaté, derrière nous, aujourd'hui, il est question de travailler sur la troisième phase de la versification. Précédemment, si vous jetez un coup d'œil sur une vidéo précédente, nous avions travaillé avec la première phase de la versification, plus connue sous le nom de la mesure. Pour récapituler un peu, pour vous rafraîchir la mémoire, on avait démontré comment mesurer avec les différentes règles, c'est-à-dire la règle du eau mouillé. Quand est-ce qu'il se prononce, quand est-ce qu'il ne prononce pas, qu'il ne se prononce pas du moins. On avait aussi réussi à déposer sur la table les procédés de mesure, qu'est-ce que la GRS, qu'est-ce que la CNRS, qu'est-ce que la règle de l'hiatus. En deuxième lieu, toujours dans la branche de la versification, nous avions réussi à déposer sur la table la répétition d'une même sonorité en fin de vers, plus connue sous le nom de la rime. On avait dit que la rime tourne autour de trois grandes ensembles. La nature, la disposition et la fameuse qualité. Concernant la nature, quand est-ce que la rime est féminine, c'est démontré. Quand est-ce qu'elle est masculine, c'est démontré. Concernant la disposition, on avait travaillé sur les rimes suivies, les rimes croisées, les rimes embrassées. Quand est-ce qu'elles sont suivies, quand est-ce qu'elles sont croisées, quand est-ce qu'elles sont embrassées. Là, on l'a travaillé dans la vidéo. Nous avions aussi travaillé sur la fameuse qualité, quand est-ce que la rime est riche, quand est-ce qu'elle est pauvre, quand est-ce que la rime est suffisante. Donc aujourd'hui, pour confirmer la continuité de la versification, c'est-à-dire la troisième phase, aujourd'hui, il est question de travailler sur le rythme. Alors, la grande question que l'élève se pose est la suivante. Qu'est-ce que le rythme? Comme vous l'avez constaté, j'ai essayé quand même d'abréger. Il dit que le rythme n'est rien d'autre qu'une forme de balancement avec des intervalles réguliers qui se distinguent par des pauses et des arrêts de voix. Forcément, l'élève est obligé de poser la question, qu'est-ce qu'on entend par le balancement? C'est très simple. Le balancement dans le rythme, c'est le vers que vous avez marqué, ce qu'on appelle par des pauses en lisant bien entendu. C'est comme la métaphore du bus qui quitte son arrêt jusqu'à ce qu'on appelle l'arrêt, l'autre arrêt. C'est ça qu'on appelle un balancement. Maintenant, les intervalles, ce sont ces expressions que vous avez. C'est ça qu'on appelle des intervalles. Mais ça dit, ils doivent être réguliers. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par les pauses et les réservoirs? Les pauses et les réservoirs semblent être l'aspect le plus important dans le rythme. Comment? Parce qu'on les appelle les accents. Forcément, qui dit rythme pense à l'accent. Maintenant, les accents font allusion à quoi? Les accents font allusion à ce qu'on appelle aux pauses et des arrêts, comme j'ai dit tantôt. Mais ça dit, n'entendez pas accent en disant que voilà, on écrit accent. Non. Ça dit, là, dans les pauses et les arrêts de voix, il est question de placer ce qu'on appelle ces accents. Pour donner un petit croquis, tout à l'heure, comme j'ai dit avec la métaphore du bus, comprenons que ça, c'est le balancement. Ça, c'est un intervalle, ça, c'est une expression. Ça, c'est une expression. Ça, c'est une pause. Ça, c'est une pause. C'est-à-dire, les pauses et les arrêts, ce sont ce qu'on appelle les fameux accents. À chaque fois, il faut les placer en dessus des expressions. Il y a en dessus et en dessous. Si c'est en dessus, c'est en haut. À chaque fois, les accents ont une seule place. Il faut les placer en dessus, ce qu'on appelle des expressions. Maintenant, parlant ce qu'on appelle des accents, comprenez une chose. Il y a deux interdits au niveau des accents et une recommandation au niveau de ce qu'on appelle des accents. Forcément, le camarade, la question qu'il se posera est la suivante. Monsieur, quels sont les interdits, ce qu'on appelle en ce qui concerne les accents? Il ne faut jamais accentuer un E mouillé. C'est interdit par la versification. Deuxièmement, il ne faut jamais accentuer une consonne. C'est interdit par la versification. Alors, ça tombe bien. Ce mot, nous avons ce qu'on appelle des consonnes et des œufs mouillés. Admettons que le mot ferme le vers. L'élève n'a pas le droit de placer l'accent ici. Pour la seule et simple raison, c'est un œuf mouillé et c'est interdit.
On le fait pas, c'est interdit par la loi de la versification. Maintenant, justement, on a dit qu'il ne faut jamais accentuer les consonnes, c'est-à-dire l'élève n'a pas le droit de placer l'accent en dessous de ce qu'on appelle la N. C'est une consonne. Forcément, le camarade disait, donc monsieur, si je comprends bien, puisqu'on n'accentue pas ce qu'on appelle les consonnes, et l'alphabet est composé d'une consonne et d'une voyelle, forcément, on doit accentuer ce qu'on appelle les voyelles. Ça, c'est la recommandation. À chaque fois, il faut savoir ce qu'on appelle l'accentuer. Donc, si nous revenons sur notre cobaye qui s'appelle console, cela veut dire que si nous avons ce mot, obligatoirement, on doit placer ce qu'on appelle l'accent en dessous de ce O. Pourquoi? Pour la seule et simple raison, le O semble être ce qu'on appelle la voyelle en quelque sorte. Donc, ça, c'est acquis, c'est dans la poche. Maintenant, comment placer ce qu'on appelle ces accents? On ne saurait parler des accents sans pour autant penser ce qu'on appelle à une règle imposée par les classiques. Qui sont ces classiques? Nicolas Boileau, M. Malherbe. Ces deux géants, qu'est-ce qu'ils ont proposé comme règle en ce qui concerne les rimes? Ils ont créé ce qu'on appelle l'alexandrin classique. Alors, forcément, le camarade, qu'est-ce qu'il dira? Monsieur, qu'est-ce que l'alexandrin classique? C'est très simple. L'alexandrin classique, c'est d'abord un verbe 12 pieds. Là, on le sait, parce qu'il y a l'expression alexandrin qui plane. Mais ça dit, l'alexandrin classique doit tourner autour de quatre grandes parties. Si l'une des parties disparaît, vous n'avez plus un alexandrin classique. Alors, c'est très simple. Premièrement, dans l'alexandrin classique, on est obligé d'avoir quatre accents. Dans l'alexandrin classique. Deuxièmement, on doit avoir la présence d'une césure. Dans l'alexandrin classique. Troisièmement, on doit travailler avec ce qu'on appelle les deux hémistiches. Dans l'alexandrin classique. Et enfin, dans un alexandrin classique, on est obligé de démontrer que est-ce que le rythme, ce qu'on appelle, est binaire. Maintenant, forcément, vous avez constaté que nous avons énuméré les axes de l'alexandrin classique. Maintenant, l'élève revient ici. La question qu'il se pose est la suivante. Où doit-on placer ce qu'on appelle les quatre accents? Comment ce qu'on appelle faire le distinguing? Comment les discerner? Au niveau des quatre accents, on va les scinder en deux, dont deux accents fixes et deux accents mobiles. Maintenant, les deux accents fixes ont une place, c'est-à-dire le premier accent fixe est toujours placé à la sixième syllabe. Le deuxième accent fixe est toujours placé ce qu'on appelle à la douzième syllabe. Ici, c'est très simple. L'élève doit être très intelligent. La douzième syllabe doit être automatique pour la seule et simple raison. Vous n'avez jamais vu un alexandrin qui dépasse 12 syllabes ou bien qui fait moins de 11 syllabes. Donc, automatiquement, la douzième syllabe, ça doit être ce qu'on appelle une routine. Maintenant, comment placer la sixième syllabe au niveau de l'accent? Ça, l'avenir nous le dira. Pour comprendre cela, il faut placer ce qu'on appelle les deux accents mobiles, comme on nous le dit, la métaphore du mobile. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai le téléphone mobile, je suis chez moi, on m'appelle, en route, on m'appelle, en classe, on m'appelle, où que je sois, parce que c'est la métaphore du mobile. C'est une manière de dire que aucun professeur n'est capable de vous dire que l'accent mobile doit être placé ici. Mais une chose est sûre, le premier accent mobile est toujours placé entre la première et la cinquième syllabe. Pour la seule et simple raison, la sixième syllabe est déjà accentée, on n'accentue jamais une syllabe deux fois. Maintenant, le deuxième accent mobile est toujours placé entre la cinquième et la onzième syllabe. Comme j'ai dit tantôt, on ne va pas accentuer la douzième syllabe parce qu'elle est déjà accentuée. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer ce qu'on appelle la forme césure. Forcément, qu'est-ce que la césure? La césure indique le temps fort du milieu du vers, c'est-à-dire vous avez le bain de 12 pieds. Comment la césure indique le temps fort du milieu du vers? Qu'elle partage en deux parties appelées hémistiches. Hémistiches, c'est-à-dire la césure est toujours placée entre la sixième et la septième syllabe. Premier jusqu'à la sixième syllabe, on l'appelle hémistiche. Septième jusqu'à la douzième syllabe, on appelle ce qu'on appelle hémistiche. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'ici, on doit avoir ce qu'on appelle deux hémistiches. Les deux hémistiches sont séparés, ce qu'on appelle par une césure. Encore une fois, qu'est-ce que la césure? La césure indique le temps fort du milieu du vers qu'elle partage en deux parties appelées hémistiche. Maintenant, pour confirmer, on aura après ce qu'on appelle un rythme binaire. Là, pour régler le problème, dans binaire, on a bi. Tout le monde sait que bi égale 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'un rythme binaire? C'est lorsque nous avons ce qu'on appelle deux mesures égales. Par exemple, si vous avez un verre de 12 pieds pour régler ce qu'on appelle ce problème, c'est très simple. Nous avons 4 plus 2, ça c'est 6, ça c'est 6, le rythme devient binaire. Alors, pour confirmer ce que j'ai dit, j'ai pris le soin pour rendre hommage à M. Nicolas Boileau. Je l'ai dit tantôt, c'est lui qui est l'un des essais de ce qu'on appelle l'alexandrin classique. Ce verre a été extrait de son ouvrage intitulé ce qu'on appelle les satires. Maintenant, pour confirmer cela, je conseille aux élèves
Parce que moi, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Pour la seule et simple raison, je peux venir placer les accents et ça tombe juste. Mais je ne cherche jamais à me comparer à vous pour paraphraser Corneille à vaincre sans péril ou triomphe sans gloire. Donc, quel est le conseil que je donne? Devant le verre, il faut tout faire pour le décomposer, pour être sûr que vous avez affaire, ce qu'on appelle, à un verre de 12 pieds pour être dans les dispositions de sortir ces différents accents-là. Alors, pour commencer, c'est très simple. Ça, c'est l'art de mentir. Tout haut. En disant vrai. Tout. Voilà. Maintenant, on va voir. Est-ce que réellement, le verre compte deux syllabes? Un pied, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et le compte est bon. Qu'est-ce que j'avais dit? D'abord, les quatre accents. Deux accents fixes, la douzième syllabe, elle est automatique. Ne l'oubliez jamais. Il ne faut jamais placer l'accent en dessous de ce qu'on appelle d'une consonne ou bien en dessous d'un mot. C'est la raison pour laquelle l'accent doit toujours être placé ce qu'on appelle en dessous d'une voyelle. Là, nous avons consonne, voyelle, consonne, l'accent est là. Et ne jouez pas, les malins. Placez l'accent à la place où il faut. Maintenant, pour placer les accents, il faut toujours cibler la dernière syllabe du mot dont il s'agit. À défaut de la placer au niveau de la dernière syllabe, il faut cibler ce qu'on appelle l'avant-dernière syllabe. Quand les accents ont deux places. Plan A, c'est la dernière syllabe. Plan B, c'est l'avant-dernière syllabe, à condition que la dernière syllabe n'est pas ce qu'on appelle l'accent diable. Maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle l'accent fixe, c'est-à-dire la douzième syllabe. Maintenant, avant de chercher l'autre accent fixe au niveau de la sixième syllabe, il y a une technique que l'élève doit développer pour placer les accents. Il y a deux techniques. La première technique, c'est l'élévation et ce qu'on appelle la descente de la voix. Mais ici, je sais que ça, c'est un peu difficile chez les élèves. Mais il y a une technique que j'ai... Cherchez-moi, il y a une technique, ce qu'on appelle, que j'ai créée. Cette technique, c'est une forme de question et de réponse. Mais avant cela, c'est très simple. Pour faire la levée et la descente, ce qu'on appelle de la voix, l'élève, qu'est-ce qu'il dira? L'art de mentir. Tout haut, en disant vrai, tout bas. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui savent lire. L'art de mentir. Tout haut, en disant vrai, tout bas. Maintenant, quand l'élève dit l'art de mentir, il s'arrête. Ça, c'est l'accent mobile. Quand il dit tout haut, maintenant la sixième syllabe est là, ne l'oubliez pas, ça c'est la voyelle, il faut la placer. En disant vrai, il s'arrête, ça c'est l'autre accent mobile. Donc vous avez l'accent fixe, vous avez l'accent fixe, sixième, douzième syllabe. Vous avez l'accent mobile, quatrième syllabe, parce que j'ai dit le premier accent c'est entre la première et la cinquième syllabe, ça c'est la quatrième syllabe. Maintenant nous avons ce qu'on appelle l'autre accent mobile, septième, douzième syllabe. Là nous sommes ce qu'on appelle au niveau de la onzième syllabe. Maintenant, avant de placer ce qu'on appelle la sixième consonne, il y a une technique que j'ai créée moi-même. C'est-à-dire qu'il faut soulever des questions. Chaque réponse sert à placer ce qu'on appelle l'accent. Maintenant, comment? D'abord, le premier accent vous permet ce qu'on appelle, de créer ce qu'on appelle la case de départ. Comment? L'art de mentir. Comment? Tout haut. En disant quoi? Vrai. Comment? Tout bas. C'est très simple. L'art de mentir. L'accent est là. Comment? Tout haut. En disant quoi? Vrai. Comment? Tout bas. Donc, chaque réponse donne ce qu'on appelle l'accent. Maintenant, après avoir placé les quatre accents, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut dénicher ce qu'on appelle la césure. J'ai dit que la césure, c'est entre la sixième et la septième syllabe. Placez la césure ici. Vous écrivez césure. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les deux hémis, les deux hémistiches. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? L'hémistiche, c'est la moitié du verre. Cela veut dire que ça, c'est l'hémistiche. Ça, c'est l'hémistiche. Maintenant, il nous reste ce qu'on appelle à dire que est-ce que le rythme est binaire? Si l'alexandrin est classique, je défie tout le monde, le rythme est toujours binaire dans un alexandrin classique. Maintenant, comment sortir un rythme binaire? C'est très simple. On cible les accents. Une syllabe, deux syllabes, trois syllabes, quatre, et vous écrivez quatre. Ne dites pas cinq, six, reprenez encore. Plus une syllabe, deux syllabes. Vous avez ce qu'on appelle le premier hémistiche, ça c'est la césure, faire la descente. Maintenant, commencez sur l'autre hémistiche, mais il ne faut jamais dire 7. Il faut démarrer ce qu'on appelle par 1. Une syllabe, deux syllabes, trois syllabes, quatre syllabes. Tac, une syllabe, deux syllabes, ça fait 2. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Nous avons 4 plus 2, nous avons 4 plus 2. Là, vous avez affaire à ce qu'on appelle à un rythme binaire qui semble être régulier. Mais si l'élève dit un rythme binaire, il s'en sort. Alors, qu'est-ce qu'un rythme binaire régulier? Un rythme binaire régulier, c'est d'abord le verre qui comprend deux mesures égales. Mais c'est-à-dire, les chiffres sont placés à la, au même niveau, c'est-à-dire, le 4 ici, sur le premier hémistiche, occupe la première place, le 4 occupe la première place, le 2 la deuxième, le 2 la dixième, et vous avez ce qu'on appelle un rythme binaire régulier. Maintenant, si jamais nous avions 4, 2,
2, 4, le rythme est binaire presque régulier. Maintenant, si nous avions 4, 2, 3, 3, le rythme est binaire irrégulier. Donc, qu'est-ce qu'un rythme binaire? C'est lorsque l'on appelle le verbe comprend deux mesures égales. Malheureusement, nous sommes coincés par le temps. Nous serons obligés de nous arrêter là, au fond de nos discours. Rendez-vous dans 15 jours pour démontrer ce qu'on appelle les autres types de rythmes. Je vous remercie de votre aimable attention.